Qu'est-ce que tu peux. Bon, après, t'as... je vais un peu te montrer. C'est quasiment pareil, tu vois, tu as la valise. Donc, tu peux y mettre, comme tu vois en bas à gauche, des petits porte-clés. Donc, tu les gagnes en faisant le jeu du tir. Et donc, ça te donne des bonus. Donc, par exemple, le marchand, il j'ai une réduction de 5% sur les modifications d'armes. Le ganado. Je crois que j'ai plus de chances d'avoir des balles de mitraillette en plus quand j'en crée. Parce qu'ils ont gardé le système des poudres. Tu vois, il y a les poudres là. Et donc ça me permet de faire des munitions, etc. Comme dans les anciens. Comme dans le RE3. Je sais plus s'ils avaient mis ça dans le remake du 2. Donc voilà, t'as ce genre de différence. Le gilet pare-balles n'est plus dans ton inventaire, il est sur toi. Mais il y a une durabilité. Pareil pour ton couteau, il y a une durabilité. Donc ça change certaines choses. Donc voilà, c'est un peu. C'est quelques nouveautés nécessaires, non. Mais bon. Sont là. Donc on crache pas sur le. Oh non, non. Et même en étant fan de RE4 et connaissant RE4, tu as quand même des surprises. Donc par exemple. Au tout début, c'est pas un spoil, c'est vraiment, c'est dans le village. Quand tu as passé la première fois le village, ben je l'explore. Et dans l'original, bah tu l'explores, il n'y a pas de souci. Non, là t'avais un ennemi qui était planqué dans une armoire. J'ai flippé ma mère. Il y a quand même 2-3 moments où je suis. Où j'ai peur, enfin j'ai peur. Où je suis surpris, ça doit être lui. Voilà, tu vois, typiquement là c'est une quête annexe. Je suis pas obligé de venir. Ah bah oui. Oh non, non, pas les trois. Ah là, là j'ai fait une parade au couteau, c'est une des nouveautés. Oui, en fait, j'ai repris. J'avais arrêté pour raisons diverses et variées. Et là, j'étais motivé à reprendre. Donc voilà, j'ai pas vraiment de jours comme le L4. Moi, c'est vraiment quand j'ai envie, quand j'ai un jeu que j'ai envie de faire. Souvent, les grosses nouveautés, j'ai rien vu. On verra dessus. Après, tu as quelques jeux. Là, je suis. Je vais faire un long play de Kinect Disneyland. Voilà, tu vois le genre. Donc voilà, faut pas attendre un jour où je vais. À moins que maintenant j'arrive à faire une bonne fan days. Ah. Ah oui, ça m'amuse. Écoute, franchement, j'avais, comme je dis, j'avais arrêté parce que j'avais plus de motivation. Je l'ai pas vu arriver lui. Et là, j'ai repris il y a 2 semaines à peu près. Ouah. Je vois pas comment passer dans le dos. Voilà. Allez, vas-y. Je l'ai raté. Là, je l'ai raté avec mon magnum, quoi. Oh, la honte. Ah, ça y est, il sort. Et avec l'arbalète, ben, je peux mettre une mine qui va faire un pic-à-boum. Eu. Et voilà. Quête accomplie. Le son, ça va? Moi, j'avais vérifié. Pour moi, c'était bon. Je profite. Bon, sur YouTube, ce sera la partie
numéro je sais pas combien. Mais si tu veux mon YouTube, il y a la commande. Hein. Je l'ai mis là tantôt. J'ai mis deux trois petites commandes qui me font rire. Je crois que j'ai mis le la commande vidéaste, la commande cache et la commande kicketbot. Je crois que c'est les quatre commandes que j'ai mis avec YouTube. Ouais, je fais ma pub. Bah, j'étais content, comme j'ai dit, quand j'ai vu... parce que toi, je t'avais pas vu. J'avais vu que Steph m'avait follow. Et Kaiser. Bizarrement, Kaiser, je pensais qu'il me followait déjà, parce qu'il était venu 2-3 fois à mes lives. Donc, c'était bizarre. Bah bon, j'étais content. J'étais content. Alors, tac. Est-ce qu'il y a encore les méchants pas beaux ici? Je vais prendre un mitraillette parce que de toute façon, j'ai pas vraiment le choix. Ouais, ils sont là. Je vais. Est-ce que je peux? Non, ça je peux pas les avoir par derrière. Ah ouais, mais moi je parle de temps en temps à quelques-uns, L4 c'est le principal, mais de temps en temps je parle à Kankuro, etc. quoi. Ah non, ici c'était... il me fallait une clé. Ils ont repris le système de RE1 où il faut de Chris où il fallait des petites clés. Bon, moi j'aime bien tout le monde chez L4 à part L4, hein. faut pas se voiler la face. Hein. L4 c'est pas vrai hein, si tu regardes cette vidéo. Alors ça c'est une ça c'est un truc que j'arrive pas à... je sais jamais où je vais regarder. En bas. Ah oui, sur les côtés. Comme ça, voilà. J'arrive pas à me repérer, c'est con, mais il y a des trucs comme ça où j'arrive pas à me... Oh Jésus, viens voir papa. Oh ma beauté. Je peux prendre maintenant. Oh, qu'est-ce que t'es belle. Toi belle comme la papaya. Ah bah oui, bah ça va remplacer le celui-là, je présume. Oui, ça aussi, c'est vrai. Nouveauté complètement con, un visa Iron Sight. C'est pas pratique du tout. Parce que toutes les armes ne le font pas. Donc c'est toi et ta chance quoi. Les snipers le font, il y a une visée comme ça. Et là. Là, il devrait faire comme dans certains jeux. Si tu veux pas la visa Iron Sight, tu maintiens à peine. Et tu l'as quoi, mais là, non, flac, visa Iron Sight. Donc déjà, cette arme là, j'ai plus envie de l'utiliser parce que là, je vois plus rien. Si on m'attaque à droite, je le vois pas. Déjà qu'on le voit pas souvent, alors... Bon, là, je sais rien faire, donc on va monter. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. La visée est bonne après, hein. Je vais pas l'attaquer, mais... Clac quoi. Après par contre, c'est moi qui ai peut-être pas trouvé, mais on s'est pas changé d'épaule.
Ah là, là j'ai raté. Alors. Où est-ce qu'il est? Y a aussi quelque chose d'un peu con. Mais ça, le Hooper l'a dit. Il y a des trésors qui sont liés à des DLC de la version de luxe. Donc là où tu as un trésor avec plus, c'est uniquement grâce au DLC. Merci Capcom. Bah écoute, déjà Amazon, enfin moi quand je l'ai vu sur Amazon, il était à 50 euros. Donc c'est déjà bien moins que les fameux 70 euros, voire 80 donc. C'est comme ça que j'ai eu certains jeux Dead Space Remake, je l'ai eu à 50 quoi. Ah, je commence à mieux me repérer avec. Oh, un chat. Ah bah voilà. J'ai trouvé le L4. Ah non, c'est un lynx. Pas de bol. Alors, est-ce que j'ai eu quelque chose? Ah, en plus, on peut le sortir. Je vais sortir L4. Je suis en 1.2. Et si je change la couleur, je suis en 1.3. Voilà, mais je vais finir par l'avoir, moi, mon lance-patate. Suis pas encore sûr. J'ai vu que le Hooper avait réussi à avoir un tableau avec les points pour pour ça, mais moi j'y arrive pas. Ah mais j'ai pas regardé si... Attendez. Ah mais j'ai eu... Ah j'ai eu les... Bah quand est-ce que j'ai éliminé les trois? J'en ai aucun souvenir. Bonjour monsieur. C'est l'heure d'aller acheter le lance-patate. Ouais, mais est-ce qu'il va m'autoriser à le mettre dans l'échafaudeur? Voilà, tu vois, hop, 3 spinels. 8 spinels. Et maintenant, dans échanger, voilà, j'en ai 29. Donc je pourrais avoir de la poudre, une crosse, mais je voudrais bien le ticket à usage unique. Parce que... Peut avoir un bonus. Les mallettes aussi, les mallettes maintenant. Peut avoir plus de ferraille ou plus d'herbe rouge. Moi j'en ai une qui me donne plus d'herbe verte, je crois. Alors, tac, 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 tac. 223 000. Pouf. Ah, formule de grenade lourde. Ah bah voilà, le dernier lance. Mais non, je voudrais... Ça c'est con aussi. Je voudrais bien... Je dois tout refoutre dans mon coffre. De toute façon, ça je vais vendre. Ça je vais pas garder parce que la visée ne me convient pas. Est-ce qu'on est bon pour acheter le lance-roquette maintenant? Not my place to say, really, yes. But sometimes things are more interesting if you keep a level playing field, don't you? Voilà. J'avoue, je n'ai, je pense, jamais affronté Salazar. Honnêtement, j'utilise toujours un lance-roquette, même dans la version originale. Donc, je ne vois pas pourquoi je changerais les choses ici. Alors, tu peux t'en aller. On va un peu bouger tout ça.
Oui, et aussi un truc bien chiant, je ne peux pas mettre des herbes dans mon coffre. Je ne peux mettre que des armes. Pourquoi? Bah, ça. C'est très bien comme ça. Ah oui, pour un Resident Evil, chelou est un terme bien galvaudé. Bon, j'ai mon magnum. On est bon. Voilà, et là tu vois ma mallette. Donc, j'ai. Ah non, j'ai la mallette qui m'augmente le taux d'apparition de munitions. De pistolet. Et voilà, donc prix de revente des objets de soins de 100%. Des petits trucs comme ça, des petits trucs. Je suis à 26 000. Je vais réparer déjà mon couteau et mon gilet pare-balles. Je ne peux pas faire évoluer ça. Your weapons are in good hands, mate. I'll see you right. Tchouk tchouk tchouk. C'est vrai que bon lance. Ouais, c'est vrai. En fait, à la base, on était limité au niveau 3 et maintenant je suis passé niveau 5. Donc je pense plus à faire évoluer certains éléments parce que je les avais déjà. Oh là, la durabilité. Je pose même pas de questions, je prends de la résistance de mon couteau. Alors, qu'est-ce que je peux créer? Rien, des mines, ouais, mais. Des mines, j'en ai plus. Je vais créer des mines. Voilà. Ah oui, il faut que. Alors. Tac. Et toi, tu peux revenir. Voilà. Et ça, c'est le viseur de mon. Ça roule. À tout de suite, Legjo. Et là, il faut la clé, je n'en ai pas. Ah bon. Ah oui, c'est lui qui a été voilà. Voilà. Non. Attendez. Bon. OK. Toi. Voilà. On va y arriver. Là, je ne sais pas si j'aurai tous les trésors parce qu'il me manque des clés et je ne vois pas où est-ce qu'ils peuvent être. Il n'y a rien ici. Ouah, je pensais qu'ils aient. Monsters.
Ça va, t'as connu pire. Je les avais oubliés, ces saloperies. Couché. Et il est passé où l'autre? If, monstre. Bon. À l'intérieur, à mon avis. Alors. À refaire un peu mon stock de balles. Il était temps. Petit nage. Qu'est-ce qu'on a là? Les invisibles. Je me rappelle très bien d'eux. Cet endroit me rappelle j'aurais dû lui. En vrai. Ouah. Ma gorge. Qu'est-ce que je disais? Je sais plus. La salle de bal. Cool. Mais vas-y, bouge! Heureusement que l'explosion quand il meurt. J'aimerais bien une herbe jaune. Ça fait longtemps que vous n'avez plus donné. Allez, justement.
défendre. Et encore, je tape nouveau dans le micro. Voilà. Désolé pour ces jumpscares non voulus. S'ils viennent à l'infini. Wow. Mais allez. Allez. Meurs, moi, j'en peux plus. Putain. Je crois qu'ils reviennent à l'infini. Le cancer. Parce que si cette pièce est bien leur nid, comme je le pense. Et ben la seule chose à faire, c'est foncer. Bah allez, je peux pas esquiver ça. Je vois pas ce que je peux faire.